Que faire, comment manger, comment s'alimenter, comment se nourrir, comment s'hydrater, comment survivre. On a l'impression qu'il y a un problème franco-français de communication puisqu'on ne fait que de l'écologie punitive, c'est ce qu'on entend régulièrement. Est-ce que c'est un problème franco-français et est-ce que c'est vrai? On part d'un constat en disant, pour éviter, si vous êtes en accord avec ce constat, bah, on vous propose une solution. Donc je pense que l'écologie punitive, ça ne marchera pas. Acheter, on appelle voilà, la souveraineté nationale, achetons français. Marc, au bout de 7 minutes de live, tu as déjà un premier coup de gueule. Il ne faut pas pointer du doigt, en revanche, il faut mettre le curseur là où on parle d'engagement et se dire « Ok, et concrètement, c'est quoi votre vision à long terme? C'est quoi vos prochains virages, etc. ?» Et moi, je suis très honoré d'avoir travaillé avec Cyrielle, qui, comme on le voit, est une passionnée, une engagée. Et c'était un bonheur de travailler avec elle et de pouvoir partager, d'échanger avec elle pour qu'on fasse ce petit guide avec plein de bonnes idées et plein de bons conseils avec elle. Ouais. Ah, je suis très doué, ouais. Elle est magnifique, cette photo.